La hausse inattendue du chômage aux États-Unis plombe les cours du pétrole qui ont lourdement chuté ce matin à New York. Le département du travail a publié les chiffres de l'emploi américain et pour la première fois en un an, on constate un taux de chômage en hausse à 8,2%. Alors que les analystes tablaient sur 150 000 créations d'emplois, au mois de mai, le chiffre ne s'élève en réalité qu'à 69 000 nouveaux emplois. Pour les spécialistes, cela témoigne d'un net ralentissement de l'activité économique aux États-Unis et l'un d'eux déclarait même que le pétrole est en train de se faire détruire. Par ailleurs, les volumes de brut aux États-Unis sont à leur niveau le plus haut depuis juillet 90 et la prime de risque géopolitique liée à l'Iran s'estompe. On pourrait donc voir l'or noir passer sous la barre des 80 $. À mi-séance, le baril de brut s'est changé à 83 $ et 4 centimes sur le NYMEX.